T'as agressé ta chaîne? Non. T'as fait ton équipe de francs? Non. Je pense que ça a été un bon investissement, j'aurais peut-être dû le faire. Si, ça va être l'investissement du siècle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est pour mon cul. C'est comme ça, j'aurai ni hémorroïdes, ni mal au cul. Mon cul Morgan se tordra de douleur. Bah y'a moyen, ouais. T'as fait changer le filtre à l'air? Non. Filtre à ville? Non. Ouais, c'est grave. Sur une échelle de 10, on a combien? On va dire 8, mais je pense que ça t'évite de la douleur. Putain, moi par contre. Coup de four, je te demande pas. Alors ça, c'est le petit boîtier magique. C'est ce qui nous sert à communiquer avec Max. T'as fait réaliser ta moto une fois? Non. Parce qu'on est bon à partir. Ouais. Alors, tentative d'essai de confort. Utiliser son sac de couchage comme coussin sur ses fesses. Super cher. T'es content, t'es en vacances? Oui. J'ai le cul qui va exploser là, ça y est. Ouais. Toi, ça marche bien ton petit coussin là? Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 32 ans. N'importe quoi, j'ai pas 32 ans, faux. Je m'appelle Morgan, j'ai 30 ans, j'habite à Paris, je suis réalisateur. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 30 ans et donc du coup, je suis en voyage avec Morgan pour aller en moto en Inde. Bon, je travaille dans le domaine des fusions acquisitions. C'est-à-dire qu'en substance, on achète des entreprises pour les intégrer dans une autre entreprise qui est plus grosse. Je voyage beaucoup. Beaucoup. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai décidé de partir en voyage il y a à peu près 8 mois. Partir en voyage sur le long cours, pas uniquement faire du tourisme deux semaines par-ci, deux semaines par-là. J'ai envie de le faire sans doute parce que Morgan m'en a sans doute donné un peu envie. Mais pas seulement, je pense que j'ai envie depuis longtemps aussi. Pendant que j'étais en Amérique du Sud, Maxime m'appelle, il me dit qu'il veut faire un gros voyage, un gros trip en moto. Ce qui se passe, c'est qu'en Amérique du Sud, j'avais perdu mon écharpe. Une écharpe que j'aime beaucoup. Économiser ma batterie. Savoir que cette écharpe, quand même, elle a dû faire peut-être plus de 50 pays. Cette écharpe, c'est l'écharpe que j'avais achetée en Inde il y a très longtemps, à Rishikesh. Rikishesh en Inde. Et c'est comme ça qu'avec Max, on est parti pour un périple de 20 000 km. Le but final, retrouver la même écharpe dans le même village de Rikishesh, en Inde. Après avoir quitté Paris, on traverse l'Allemagne, direction le sud, pour rejoindre la Méditerranée. Il nous faut 4 jours de route pour dépasser les Alpes et arriver dans un petit pays, pas très connu, pas très touristique, mais que j'adore. La Slovénie. Et donc on est bien arrivé à Bled. Maxime, cet homme des bois, va nous allumer un petit feu. Hôtel pour la nuit. Et ce soir, on va faire du 1 million d'étoiles. C'est même booking, il a pas autant. Et donc demain, nous pourrons visiter la petite ville de Bled. Ah, ça fait du bien d'être posé, après des jours. Moi, ça, là, ça me fait plaisir d'être enfin posé, après des jours, à juste rouler comme un con. Ouais, ça va, on a... Moi, j'ai mal au cul. Ça va être les vacances les plus longues de ma vie depuis même 1000 ans. Depuis quasiment toujours, en fait. Depuis. Peut-être que je vais avoir un phénomène de décompensation, Morgan. Faut que tu fasses gaffe. C'est vrai que c'est nul d'être enfant. T'as que 2 mois de vacances. Je pourrais pas, moi. Non, c'est bon. T'as quand même dit qu'il y a une différence entre voyage et vacances. C'est vrai, je dis ça, moi. Je pense qu'on est pas loin du bien là. On est pas loin du bien. On va mettre ça directement. Ah, c'est déjà. Je pense que c'est où qu'on va manger le mieux.
Je pense qu'au Pakistan ça va être fou. L'Inde aussi je pense que ça va être bien. Ouais, en Inde c'est bon. En vrai, je pense qu'il n'y a aucune bouffe que j'aime pas. À part la bouffe anglaise de merde. Ça compte pas comme de la bouffe. Le matin, je me lève pour aller pisser. Maxou ? Tu te lèves, petit ange ? Et là. Oh. Ah Max, faut que tu te réveilles avant que ça s'évapore. Il se passe un truc là quand même, au niveau de la vue, de la visitation des choses. Ça, c'est ce que j'appelle a pee with a view. Je pense que c'est un des pipis avec la meilleure vue que j'ai eu depuis bien longtemps. Oh. Ouais, papier toilette. Ah, on n'a pas de papier toilette? Ouais, mais j'ai déjà dégagé la première couche avec ça, mais je voulais rentrer dans le détail maintenant. Les finitions. Les finitions. On y va? Les routes slovènes, on est trop bien dessus. C'est que des petits virages, c'est incroyable, ça traverse que des petits villages qui sont trop mignons. Les villages, je sais pas, t'as l'impression d'être dans des villages de lutins. Il y a des rondins de bois tout du long, enfin c'est des aciéries, mais à l'ancienne quoi, on n'est pas du tout dans l'industrialisé. La Slovénie, c'est un pays qui est extrêmement vert, qui à mon avis est assez peu peuplé. L'intérêt de la Slovénie, c'est vraiment les parcs naturels qu'il y a. On est allé dans deux parcs qui sont au bord de deux lacs, avec de Bled et de Borinj. Hey, attends, en vrai, il y a des pommes là. Petite pomme slovène. On termine nos pommes et on va au lac de Borinj. C'est vrai qu'on a un gros emploi du temps. Non, mais. Sinon, vous, ça bosse à Paris? On a fait une halte pour manger. Et ça, c'est le dessert de la région. Forcément. Ça s'appelle comment ça déjà? Ça s'appelle du jibaneka. Mais est-ce que c'est bon ça, ce que tu manges là? De 1 à 10, je mettrais. Je mettrais plus 2 parce que c'est la découverte. Donc du coup, je mettrais 2. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu mets un peu de sucre, un peu de beurre. Pas de feuilleté, un peu de noix, du poppy, beaucoup de poppy que t'as fait de ton papier avant, tu le refermes, sucre glace, four, chantilly, t'as ton Jelinka. Jelinka ! Morgan ? Oui. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une onda. Non. C'est deux petits bitonneux qui sortent. Alors. En vrai, si tu sais pas, si tu vas avoir du mal à deviner. Ça lance pas trop mal ? Vas-y. Normalement, c'est censé faire passer de l'air dedans, et c'est des sifflets qui font peur aux animaux sauvages. Je l'ai moi sur la mienne? Mais je ne l'ai pas! Mec, tu vas te faire dévorer par les bêtes sauvages. Je cours un danger. Mais il faut que tu roules devant du coup. Bah bien sûr. Eh oui, sinon c'est trop dangereux pour moi. Après pas loin d'une semaine, on a parcouru déjà 1500 bornes. On quitte le majestueux lac de Borinj pour rejoindre les températures plus clémentes de la Méditerranée. Direction la Croatie.